qu'il a réparé le petit problème. C'est un petit technicien, mine de rien. Donc là, si tu veux... Attends. Si tu veux bien, vas-y, log-toi. Oups, désolé. Non, mais c'est pas grave. Ça voulait faire, vas-y, c'est faire. Ça. Je voulais encore aller dans... Voilà. Tu vas un peu checker si c'est bon. Oui. Je pense que ça doit être bon, là. Ah, tu les renommes. Envie. Tu les renommes, mais c'est... maintenant, ça sert à rien. Ils savent ce que c'est. C'est pas grave pour les tout nouveaux qui... Pour ceux qui n'auront pas encore vu. Ah ouais, c'est pour ceux qui se connectent en cours de route. C'est ouais. Ça, voilà. Bonne idée, comme ça, ils auront un peu la devinette. Alors, les autres, ne faites pas les mouchères. Voilà. Juste deux secondes, je me permets de t'emprunter la souris. Eh ben vas-y, j'ai arrivé à Aguda. Voilà, je remets l'image, c'est bon, on est de retour, il n'y a pas de souci. Le bon. Jeu est... il s'est remis en petit, donc vas-y, agrandis-le, je t'en prie. Comme ça, on verra un petit peu mieux, parce que moi, tu sais, je suis aveugle. Ouh, il s'est mis vraiment grand. Oui, c'est moi qui l'ai mis grand, en fait. Tu l'as, par contre, ouais. Vas-y, retasse-le un tout petit peu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se redimensionne tout seul. Il est embêtant, Minecraft. Ah oh ouais. Il se redimensionne. Alors, ah bah non, ça a pas changé, merci. Ça a marché. Ouais, ça. Et le nom, il a pas changé. Non. Bah, du monde, bon bah tant pis pour vous, vous aurez quand même le vrai nom. Moi j'ai jamais fait, donc on va. Voilà. Parce qu'on est au tout début, donc Zitox va pouvoir le faire, parce que moi le début je l'ai fait. En fait, si c'était ça, mais c'était juste le début en fait. Donc Zitox, je te laisse faire le début, parce que moi je l'ai fait ce week-end. Alors, welcome. Donc bienvenue. Mon cher ami. Jouer en paceful, alors. Donc, jouer en paceful, encore une fois. Il est en paisible. Il est encore en paisible, il est resté par rapport à tout à l'heure. De toute façon, on n'a pas quitté la version. Alors, and set you render distance to short. Donc, ça, il faut être la distance de rendu en short. Il faut prendre les torches. Alors, le distance de rendu. Bah, t'es pas obligé de le faire, mais tu peux le faire. Mettre le champ de vision en short. En short, peut-être ça. Non, en short, c'est. Ouais. C'est normal. Normalement, c'est court, mais il y est pas, là. Il y a pas court sur ce truc. Et map. Post in the map center, ok, d'accord. Il y avait pas court dans les distances de rendu? Je sais pas. Bah, normalement il l'a, mais là ça m'a. Ah, c'est peut-être la version qui fait aussi. Donc là, mon ami, tu vas te régaler. Oui, okay, d'accord. Le okay. Premier saut, non, mais les sauts dans celui-là ils sont plus hard. Franchement. Bon, après, il suffit juste de les millimétrer. Là, avec les hitbox de l'échelle, c'est chaud. Il faut juste un peu reculer et re-sauter. Ah ouais. Oh lolo. J'ai fait le début, c'est le truc où il faut prendre en main la map en fait. En fait, faut que tu te diriges un peu vers la droite, que tu retournes vite vers la gauche. Voilà. C'est justement ça. T'as trouvé le truc. Et c'est vraiment du. Franchement, maintenant que vous avez vu le nom, on peut vous le dire, c'est du Prince of Persia. Oh non! C'est du Prince of Persia. Et bah, ça rend bien avec le truc de sable et tout, c'est bien foutu. Ouais, c'est pas... Et pour ceux qui veulent s'entraîner un peu sur des sauts qui sont un peu plus hard, franchement c'est une bonne map. Bon, après on va peut-être un peu galérer, c'est normal, c'est un peu une map qui est faite exprès. Donc, je suis désolé mon cher ami Zitox, hein. Ne m'en veux pas, c'est une map qui est faite exprès pour la galère. Il l'a fait exprès en fait. Bah ouais, j'ai fait exprès, bon, bien sûr, vous me connaissez mal, bien sûr que j'ai fait exprès. Non, j'ai voulu être gentil avec Zitox, je me suis dit comme il aime bien les maps de jump. T'as vu ça, hop là. Bien joué, t'as réussi en la fait, première. En fait, on était juste là, puis bah ouais. C'était juste en bas en fait. Ne tombe pas, je croyais que c'était toi. Des mobs, mais non. Bah non, c'était juste les pancartes. T'as réussi la première partie qui n'est pas la plus difficile. Je te le dis tout de suite, hein, je te spoil légèrement. Je m'en fous du spoil. Bah là, pour l'instant, ça va. C'est faisable. C'est faisable pour l'instant. Donc, ça c'est bien parce que ça fait. Ça fait du style, je saute sur un mur et hop là, je saute sur le deuxième en mur. En fait, le skin se prend pour Mario, il fait du wall jump. C'est ça, voilà. Et celui-là, il faut vraiment bien calibrer son saut. C'est chaud. En fait, faut bien, c'est... En fait, tu réussis mieux quand tu regardes dans l'air, j'ai remarqué. Moi, ça me motivait plus et j'arrivais mieux. En fait, faut... Faut sauter au bon moment. Ouais, j'ai compris la technique. Faut sauter au bon moment, c'est tout. Enfin, j'ai compris. Il y a pas vraiment de technique et surtout beaucoup de chance. Faut appuyer vraiment au bon moment. Là tu gères. Bien, bravo, bien joué. Oh, les blocs ils ont changé du coup avec le pack. Bah, il est plus beau. Ouais, ils sont plus beaux. Hop là, j'ai vu le petit saut. Bien joué, donc là t'as une échelle pour te rattraper au cas où tu tombes. Voilà, puis, comme par hasard. Bah, il est pas totalement salaud, tu vois, te laisse quand même des possibilités. Mais le mec qui a créé cette map, alors j'ai encore oublié son nom. Comme Zitox tout à l'heure, j'ai oublié le nom de celui qui a créé Mirror's Edge. Enfin, qui a créé la map Mirror's Edge. J'ai oublié le nom de celui qui a créé celle-ci.
Mais en tout cas, il y a aussi bien joué son coup. Il fait bien quoi, là fait. Rien du tout, là, tu continues et là regarde un peu sur le côté. Oh non. Tu vois? Ah d'accord, j'ai compris. Mais t'as une échelle pour te rattraper, donc y a pas de souci. D'accord, je peux. Oh les méchants. Ah cool. T'as sa bande rattraper, ça c'est gentil. Ça c'est cool, ça c'est gentil. Ça. En plus, c'était un petit message bien sympa. Bien trollesque. Donc là ça passe, hein. Jusque là ça passe. Ça j'y étais arrivé plutôt facilement. Ouais, bah, moi, mais après c'est... tu vas voir, c'est un peu plus easy. Un peu plus hard, plus easy, n'importe quoi. Il faut aller là-dedans. Hein. Ouais, il faut aller là-dedans. Dans l'entre. Avec les torches pas dans mal. L'entre du, là, du grimpage. Déjà, là, excusez-moi. Dans l'entre de la grimpette. Ça, j'ai jamais aimé des choses. Ah, moi, j'aime pas non plus. Là, j'ai galéré un petit peu. Là, tout le dire. D'accord, j'ai déjà fait du Minecraft, moi, encore plus dur que ça. Moi. Ouais. Ouais. Bah, je sais qu'il y en a du plus dur, hein. Mais moi par rapport au niveau que j'avais ce week-end, ça c'était déjà très dur. Parce que je recommençais tout juste le jumpcraft et je me retrouvais sur des maps comme ça. Là tu peux te dire que tu t'arraches les cheveux des fois. Oh non! Ah il fallait aller sur le côté. Ouais. Non, mais j'ai sauté, j'ai fait un double saut. Ah ouais, t'as, sans faire exprès quoi. Ça m'est arrivé aussi. En tout cas, on a vraiment de la chance d'être en paisible. Hein, parce que là sinon, après toutes les chutes qu'on s'est payées. Avec les mobs aussi. Les mobs, ouais. Parce que les mobs qui viennent nous faire chier en plus. Et ce sera quand même un beau défi, hein, d'avoir en plus les mobs qui viennent te faire chier. Il a bien joué. Là, il y a un petit saut. Celui-là, il est quand même millimétré aussi. Celui-là aussi. Hein. Là, il faut courir un peu. Ah bah non, t'as un truc pour te rattraper juste en bas, donc ça va. Voilà. Pas dans l'échelle. J'avais réussi aussi celui-là. J'avais pris quand même un peu de temps aussi. Ah, c'est une végétation là, je me rappelle, c'est bien sympa aussi. C'est... Avec les moutons, avec ah, nous. Les moutons. Hein? Et dégage. Ne tue pas les animaux, c'est pas gentil. Je donne une claque. Les défenseurs vont nous détester. Ah, mais. Ah, ça c'est chiant les échelles. Les échelles, je ne les aime pas. C'est des Michel, je n'ai pas vu. Je suis un anti-échelle. Allez, vas-y. Oh, 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 oh. La nickel. Tu vas y arriver, je pense. Je pense aussi. Et ça passe, je pense, ça passe. Allez-y, Tox, allez-y, Tox, allez. On l'encourage très gentiment. Tout le monde. Oh, pas possible. Ah, le jeu, ne suis pas rage, Tox, voyons. Ce passage, il est rageant. J'ai ragé, moi aussi. Donc, je te comprendrai si t'as envie de rager. Il fallait juste faire ça. Il fallait juste faire ça. Et moi au départ j'ai pas non plus saisi comme toi, j'étais un peu bloqué. Voilà, enfin faire monter dans les arbres. Monter dans les arbres. Truc classique quoi. Peut-être une échelle quelque part là-bas. Il y a peut-être, ouais, je sais pas s'il y a des trucs cachés sur la map. Faut fou, hein, je cherche pas de trucs cachés. Non, je cherche pas de trucs cachés. À se barrer d'ici, non, cher ami. De toute façon, je crois qu'il y en a pas des trucs cachés dans cette map. De toute façon, on est à plat. Je crois qu'il a pas mis de trucs cachés. Alors après je peux me tromper mais bon, je crois qu'il en a pas donné. Elle serait là-bas apparemment. Ouais ten. Non. Elle serait là-bas, faut juste casser je pense. Je sais pas si elle est là-bas ou si elle est Tu peux essayer d'aller là. Je crois que c'est de la neige qu'il faut casser. Je crois que c'est là. Ouais c'était là. T'as... On a cassé, on est pas bien, on est méchant. Ouf, je vais tomber. Oh là. Ça va, déjà une échelle pour se rattraper. Là, ça va, il y a une échelle. J'aime bien, bon, c'est simple. Les deux. Ouais, celui-là, non, mais celui-là, il est simple. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il nous met des passages chauds et entre les deux, il intercale des passages plus faciles. C'est un petit peu pour qu'on se repose, il a été sympa. Attends. Hop. Voilà. Mon cher ami Zetox se régale, c'est un jumper, lui. On le voit tout de suite. Jumper. Tu te prends pour Jolly Jumper ou quoi? C'est ça. Vas-y, un petit saut, bravo! Simple. Ouais. Easy. Ce passage, il était plus easy. Ça manque de torche. Il était plus. Ouais, ça manque de torche, comme tu dis. Ajoute tes petites torches personnalisées. Voilà. Alors là, okay. Tu vas monter. Je vais surtout tomber en fait. Tu vas surtout tomber que monter. Ouais. Non, mais tu vas y arriver, je pense. Oui. On croit tous en toi ici. Qui ne croit pas en toi ici, franchement? Bah, tout le monde croit en toi. T'es le messie, là, donc attention. C'est ça, comme on ça. On a placé de grands espoirs en toi. Hop là. Et c'est la gérance. Bravo. J'aime bien ton sens de la sécurité. Tu prends même la peine de prendre de l'élan sur les petits sauts comme ça, c'est bien.
Mais moi j'utilise jamais Shift. J'aime bien le personnage qui a les pieds dans le vide et qui reste tout le temps sur la plateforme. Mais moi j'ai jamais utilisé Shift en faisant du jump craft. Never. Ouais. Tu n'utilises pas Shift. Ouais, c'est selon le goût des personnes. Bah beaucoup de gens utilisent Shift en fait. Ouais. Moi j'utilise pas. Je suis un pur et dur. Pareil. Zitox c'est un pur et dur, il utilise pas. Le nuage qui casse le soleil. Zitox c'est un fou, il utilise pas Shift. Alors là, franchement. Et je pensais pas que t'allais te régaler autant sur cette map. Moi je me régale. Tu te régales là, franchement. Et la map Prince of... En tout cas, si vous voulez la télécharger, c'est simple. Ça s'appelle Prince of Minecraft. Elle se trouve très facilement sur Internet. Bon, bah... Donc n'hésitez pas à aller la chercher. Oh, il fait... C'est totalement sombre, là. Ah bon, faut tomber. On voit rien du tout. Il a bien fait de donner des torches, en fait. Ok. Il y a quoi, là? Quoi, ça? Où ça? Des petits trous. Des petits trous, comme tu dis. Des échelles comme ça. Ah, les échelles disposées comme ça. Il y a plusieurs... Il y a plusieurs trucs comme ça. Alors déjà, on voit rien. Même je vois quelque chose. Mais déjà, pourquoi tu m'as mis ça? Si tu veux, tu peux augmenter la luminosité. Ça va, t'inquiète. Ça va peut-être un petit peu... être bénéfique. Oh. Alors vas-y, mets les guirlandes. On va monter par là. On va voir ce qu'il y a là-haut, là-bas. Ouais, vas-y, mais regarde, parce je t'en prie. Pas moi, il y a des trucs à... Alors là, je sais plus où j'étais passé. Je crois que c'est un passage où j'étais... Espace polé. Dans le noir. Totalement alors, perdu. Si c'est pas là. Alors je crois que le jour où j'ai fait ce passage, j'étais encore plus dans le noir que toi. Mon avis, ma luminosité, elle devait être zéro. Je voyais que dalle. T'as peut-être pas pris les lampes torches. Non, si je les avais prises, mais je sautais. Non, mais sans les mettre, je sautais à l'aveugle. En fait, moi j'avais fait sans les mettre. J'avais fait un petit délire. Mais tu vois, c'est chaud sans les mettre. C'est très très chaud. Gamma, c'est bon d'enfoiré là. Ah, ils t'ont piégé. Pif. Aouh. Ouf. Ça fait mal au genou. Surtout la cheville. C'est plus la cheville que tu te tords que le ouais, genou. Ouais, mais tu te pètes tout en tombant d'une hauteur pareille. Tu te pètes le genou, la cheville, tu te pètes tout. Aussi. Attends, dans la vraie vie, je tombe d'une hauteur pareille, mec, j'ai plus de jambes. Enfin, peut-être que t'as un gars bionique, ça se peut. Peut-être. T'as peut-être le moyen de résister. On voit rien. Hop, alors attends. Attends, mon cher ami. Je regarde si on a du réseau mobile qui est apparu pour aller checker le live si ça fonctionne bien. Donc, excusez-moi du petit temps de silence, les amis. Hop. Et Zitox ne parle plus, il est concentré. Bah oui, je trouve pas la sortie. C'est... Bah les échelles, là, tu dois les prendre. Bah oui, il y a plusieurs. Mais je crois que c'est... Je crois que c'est elle, en fait. Je crois que c'est ce tas d'échelles-là. Je crois que c'est là-bas, la sortie. Hein. Bah à mon avis, c'est... En fait, on a fait ça pour rien. Je crois que c'est celui-ci. Mais je suis plus sûr. Attendez. Non, en fait, j'en suis plus totalement sûr, mais je crois que c'est ça. Désolé de ne pas pouvoir plus t'aider, mais je suis plus totalement sûr que ce soit celui-là. Ah, j'aime pas les échelles quand elles font ça, là, quand elles nous font galérer comme ça. Allez, mon cher Mizitox. T'es chaud, là. Pas du tout. Pas du tout, t'es refroidi par la map. Là. C'est ça. C'était ça ou pas? On va tout de suite le savoir, parce que moi je crois que c'était ça. Oh non, mais... Ah, c'est chiant ce truc, c'est fait exprès. Oh non, mais oh là là! En plus, de une, on est même pas sûr que c'est ça, de deux, c'est super chaud. Si ça se trouve, on fait ça pour rien. Je crois que c'est ce passage. Non, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça. Mais il est méchant ce passage, il est méchant. Ah, c'est. J'aime pas quand c'est des passages comme ça, je te promets. Je déteste ça. C'est la balade des gens heureux là. Ah, on y est réussi. Ah, t'as réussi, bravo. Et si c'est pas ce passage là, eh ben on rachète. Bah, on rachète. Bah, bien sûr, mais mon cher ami, pourquoi pas rachete. Bah, on va racheter hein. Bon, on va racheter. Non, à mon avis. Y'a un truc, mais. Mais c'est pas le bordel tout là-bas.
Regarde ce bordel d'échelle là-bas. J'y suis déjà allé là-bas. T'y es déjà allé? Ben oui, y'a rien. T'as bien exploré bien au fond. Ben Y'a rien du tout. Oui. Ça tombe, gars, ça tombe pour c'est bien cassé le cul pour l'heure, c'est tout droit. Ouais. Et c'est quand même franchement abusé. En fait, c'est une sorte de petite difficulté qui nous met, en fait, faut qu'on trouve la sortie. Faut qu'on la trouve la sortie. Il nous a mis une petite énigme, le mec qui a fait la map. Il y a peut-être des trucs ici, non? Des trous dans les trous, peut-être. Regardez dans les trous. Il y a peut-être des... Il y a peut-être un trou ou t'as un passage? Il y a un livre. Il y a un livre, ça peut-être t'aider, ça? Alors? Qu'est-ce qu'il nous raconte? D'accord, le livre, c'est pas un livre à écrire. Donc il n'y a rien à lire. C'est un livre, il n'y a rien à lire. Succès, faire inventaire, d'accord. On a fait l'inventaire pour que dalle. Là, si ça se trouve, c'est dans un petit trou qu'il y a le passage. Et ce sera abusé. On aurait fait ça pour rien. Non, là, il y a un petit truc dans le petit trou, en fait. Voilà. Bah là, il y a un truc, bah voilà. Ah voilà, mais... Ah, les salauds, quoi. Ah, franchement. Quel événement d'enfoiré. Le passage, il était... Là, et eux ils nous font monter. Ah, le mec qui a fait la map là, tu es méchant, tu es pas sympa. Quel enfoiré! Tu es pas sympa, tu as fait une bonne map et tu n'es pas sympa. Tu es vilain. On va dislike ta map. Bah, franchement, franchement, il a bien géré. Il nous a quand même fait réfléchir. Là, franchement, c'est. Franchement, il nous a quand même fait un peu galérer, donc GG à lui, bien joué. On a bien galéré pour monter. Ouais, c'est par là. Bah non, pas du tout. Bah non, foutez-vous de ma gueule, allez-y. Il fait ah ah, je suis sûr que tu vas monter. Le mec, il est bien en train de rigoler derrière son écran là, en se disant que tous les joueurs tombent dans son piège. Lazitox, tu es bon. Ah, tu es bon comme un saucisson. Voilà. Okay, d'accord. C'était la blague du jour. C'est histoire de Barracuda. C'est histoire de caser une connerie dans le live, quoi. C'était la blague du jour. Mais je te l'ai dit l'autre fois, dans chaque live, je dois me faire le défi de caser au moins une connerie. Une connerie, mais une connerie vraiment plus grosse que moi. Et là, j'ai réussi à la caser. C'est ça. J'ai réussi à caser une connerie. C'est bien. Ouais. Tu vas m'en féliciter. Pas du tout. Ah si. J'ai réussi notre défi de caser une connerie. Maintenant, c'est à toi de caser une connerie. Voilà. Ah si, case une connerie. Plus tard. Plus tard, ça veut dire jamais ça. Le mec, il va attendre que ça soit la fin du live, il aura pas casé sa connerie. C'est ça. Tu seras obligé de la caser. Je comprends pas le live le temps que tu l'auras pas casé. De toute façon, le live, on a le temps. On peut le faire toute la nuit, moi je m'en fous. Moi aussi, je m'en fous. J'ai toute la journée. Si vous voulez, on fait un live de 48 heures. Bon, après, on a cours quand même. 48 heures douche comprise. On a cours quand même. Non, 48 heures douche comprise, on s'en fout. Le week-end, ouais. Douche comprise ou douche non comprise, à voir. À voir selon le choix de l'individu. Moi perso, je préfère douche comprise. Pareil. Parce qu'avec mauvaise odeur comprise, là, ça m'intéresse pas trop. Alors on attend que Zitox nous casse sa connerie. Il le fera certainement dans un moment où on s'y attend le moins. On le connaît, Zitox, il est imprévisible. C'est quoi ta pâtisserie que tu détestes le plus? La pâtisserie que je déteste le plus? Ouais.